Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo spéciale résine. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur YouTube, vous avez pu voir que Annie Cubic m'a envoyé une imprimante résine Photon S pour que je vous la fasse découvrir et que je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre de machine. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite tout simplement à aller voir l'autre vidéo où je déballe la Photon S, je vous explique comment la préparer, l'installer, et puis aussi une partie culture lab où je vous montre les principes de l'impression résine. Donc aujourd'hui, le modèle qu'on va faire en résine, ça va être un modèle Marvel, un modèle Thor. Ça va être Thor, fils d'Odin, dieu du tonnerre, un de mes super-héros préférés. Et ce super-héros a été dessiné, ce plan, du moins ce fichier, a été dessiné par Denis Casarine. C'est un dessinateur brésilien qui vend des fichiers sur certaines plateformes internet. Donc tu pourras d'ailleurs le retrouver et acheter ce fichier, pourquoi pas pour l'imprimer, s'il te plaît. Je mets son nom et ses réseaux dans le lien de la vidéo. Donc sans plus tarder, je vais te présenter ce modèle. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve juste après la présentation. Voilà, j'espère que ce modèle t'aura plu. Tu as pu constater la qualité de l'impression résine. C'est vraiment impressionnant. Sur une imprimante comme ça, on est sur du 0,05 micron. À ce sujet, je tiens une fois de plus à remercier Annie Cubic. C'est grâce à eux aujourd'hui que je peux vous présenter ce genre de contenu et que je peux créer des figurines d'une telle qualité. Donc un grand merci à Annie Cubic. Je vous mets également le lien de l'imprimante dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Ne bougez pas, je vais vous montrer également ce qu'on a fait pour mettre en valeur la figurine. On a fait un petit packaging, regardez, une petite boîte avec notre logo. Donc sur le côté droit, c'est des dessins de Denis, le concepteur du fichier. À l'arrière, également un de ses dessins avec le petit code barre Ipslab. Et sur le côté, des petits comics. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs quel côté tu préfères, le côté Denis, l'arrière ou le côté spécial comics. Donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Le but de tout ça, c'est qu'on partage, qu'on découvre et qu'on s'améliore ensemble. Donc si tu as des questions sur n'importe quelle imprimante, je t'invite à me poser la question aussi bien en commentaire ou bien sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour le reste, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à me dire aussi également ce que vous aimeriez que je crée pour les prochaines vidéos parce que je me sers des messages que vous m'envoyez pour mes futures créations. Donc encore un grand merci à vous tous et puis je vous dis à bientôt.